Jay-Z et Beyoncé se sont mariés en 2008. Depuis, le couple est devenu parent de 3 enfants. Avec leur succès interplanétaire et leur grande puissance économique, nul ne peut prétendre n'avoir jamais entendu parler d'eux. Nous avons pu assister à de nombreuses nominations et de nombreuses récompenses pour ces deux artistes du genre hip-hop rap américain. Toutefois, si le public et les fans sont nombreux, nous avons également entendu parler de polémiques régulières sur certaines pratiques et certains comportements dont pourraient faire preuve ces artistes. En effet, Beyoncé a été vue à plusieurs reprises ayant des comportements étranges sur scène ou lors de galas auxquels elle assistait. MK Ultra, poupée désactivée, personne ne le sait. La seule chose que nous pouvons tous constater est la présence régulière et perpétuelle de symboles mystérieux. Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'enquête qui va traiter aujourd'hui d'un couple de célébrités américains et d'un couple très puissant puisque je veux parler de Jay-Z et de Beyoncé. Alors pourquoi ce tirage? Parce que régulièrement on entend parler d'eux. Alors, bien entendu, pour leur succès musical et puis leurs shows qui ont lieu aux quatre coins du monde, on entend également parler d'eux au sujet de polémiques concernant des pratiques qu'ils pourraient mener afin d'obtenir une certaine notoriété. Alors, à ce sujet, je voulais faire un tirage. Alors, j'informe qu'il s'agit ici d'un tirage qui peut sembler être un divertissement, mais qui touche peut-être malgré tout à un sujet très sensible, dont les pratiques pourraient être plus sérieuses que ce qu'on pourrait le croire derrière certains articles qui voudraient discréditer la chose et la faire paraître peu crédible. Alors je vais tirer avec le jeu de haut des informations si possible concernant ce couple, et voir ce qui se cache derrière cette célébrité. Et derrière aussi, tout l'argent qu'ils ont pu avoir tout au long de cette carrière. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces artistes, comme toujours, je vous demande le plus grand respect. Je n'ai aucun savoir absolu, une interprétation et des ressentis seulement. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, si vous aussi vous avez déjà eu l'occasion de faire des tirages ou si vous avez regardé des vidéos à ce sujet, me dire un petit peu ce que vous pensez de cette musique-là, de ce type de production, de ce genre d'artistes et des symboliques qui sont régulièrement utilisées, constamment utilisées on peut le dire, dans tous leurs clips vidéo. Allez, c'est parti. Je me concentre pour Jay-Z et Beyoncé. Première carte, la carte Aller. Donc j'ai mis une ambiance un peu rouge pour ce sujet spécifiquement. Je voulais voir ce que ça pouvait rendre aussi, je ne vous le cache pas. C'est un test. Bien sûr, si ça dénature votre rendu, je changerai ça au prochain tirage, évidemment. N'hésitez pas à me le dire là aussi en commentaire. Toujours dans la gentillesse, s'il vous plaît. Le père. Carte du père. Alors, on sait que Beyoncé a vraiment été coachée par son père quand elle était plus jeune. C'est lui qui l'a fait percer avec les Destiny's Child à l'époque. Et qui a fait en sorte que s'il n'en reste plus qu'une, ce soit elle. Mission accomplie pour son papa. Chez soi.
Donc, on peut considérer le rap game comme la maison de Jay-Z et Beyoncé, puisqu'ils sont considérés comme les patrons de ce genre de musique aux États-Unis, voire même dans le monde. Ils ont vraiment une grosse puissance économique. La carte du danger. J'ai des images, on va dire, en tête. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a essayé de parler de ça, de parler de quelque chose qu'il aurait vécu, quelqu'un à qui on n'aurait pas accordé de crédit, quelqu'un qui aurait été plutôt proche d'eux au quotidien. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas. Alors là, j'ai la carte du nu qui ressort. Donc on sait que les pratiques qui peuvent être reprochées à ces stars-là, effectivement, toucheraient à des activités avec la nudité et d'autres pratiques avec de l'hémoglobine, d'autres avec du contrôle mental, de la programmation MK et tout ce qui va avec. Alors la carte de l'aversion qui est sortie d'elle-même, comme vous pouvez le voir, et je vais tirer des cartes complémentaires. Pour commencer avec le Tanvu pour confirmer ce qui peut en être de ce couple. Alors évidemment, on va nous parler de complotisme, on va nous dire que non, que on voit le mal partout, que ces signaux sont mis dans les clips pour provoquer les réactions du public. Que c'est un pur hasard. Je me permets de vous rappeler que Lucifer est quand même réputé pour être l'ange de l'art et de la musique dans certaines religions. Alors on voit très mal les illustrations, donc je vais vous proposer de changer de lumière et de revenir à une couleur beaucoup plus normale, entre guillemets, une couleur qui vous permettra d'y voir plus clair. Voilà. Donc ici, on est sur le transport qui complète la carte aller. On voit une personne qui emporte une autre qui est inconsciente. Donc ce couple ici nous commence par une information. On voit qu'il y a un soutien, on voit qu'il y a quelqu'un qui porte l'autre dans le couple et que c'est ainsi que la direction a commencé à être prise par l'un des deux protagonistes dès le départ de la relation. Hein. Alors, sur la carte du père, j'ai cette illustration. Donc ici, on voit un homme qui est assis et qui tourne le dos à une femme qui est allongée et qui semble prostrée dans un coin. On voit donc le contrôle que le père de Beyoncé a pu exercer sur elle et en faire un peu son pantin. Alors bien sûr, aujourd'hui, on voit que ça a été rentable pour elle, mais il semblerait que ça n'ait pas toujours été facile, loin de là. Alors, chez soi. Donc chez soi, c'est l'opulence, c'est la joie, c'est la richesse qui est rentrée ici, comme je l'avais expliqué dans un tirage précédent, par le costume des personnes, l'opulence de celle-ci qui ressort dans leur tenue vestimentaire et dans leur courbe. Pour la carte du danger. Quel danger pourrait guetter ces deux personnes? Pour Jay-Z et Beyoncé. Qui s'est retourné à l'intérieur de ma pile. Donc le danger ici,
est représentée par un homme qui menace clairement une femme qui est appuyée sur un mur, qui semble être coincée, qui est dos au mur, comme on pourrait le dire. Donc voilà, j'essaie de retourner à mon éclairage, voilà, mon éclairage normal. Donc ici, on est face à une scène de violence qui recouvre donc le danger. Donc on voit qu'ici, on nous apporte une précision sur la personne qui domine et comment elle domine à l'intérieur de cette relation dans ce couple, quoi. Donc, pour la nudité. Alors pour la nudité, c'est assez marrant parce que ce qui ressort, c'est une carte qui indique une relation passée d'un autre temps. Je pense qu'on peut vouloir nous dire ici que Jay-Z et Beyoncé se sont unis selon une tradition ancienne ou vivent selon une tradition ancienne. On ne sait pas laquelle. Alors ici, pour recouvrir la carte de l'aversion, nous avons la femme blonde poursuivie par une ombre démoniaque. On pourrait parler de l'alter ego de Beyoncé ici, quelqu'un qui est Sasha Fierce, qu'elle utilise sur scène parfois et dans certains albums, dont elle a parlé en interview et dont elle a dit qu'il prenait le contrôle de son corps afin de pouvoir obtenir les résultats de danse qu'elle pratique en fait lors de ses shows, que d'elle-même elle n'arriverait jamais à effectuer de telles prestations sans cet alter ego. Je vous laisse vous renseigner sur ce que peut représenter pour Beyoncé Sasha Fierce. Donc sur ce couple, on apprend vraiment que ben, le mâle est dominant. Il a pris la relève du père. Que chez eux tout prospère dans la joie, la gaieté et l'opulence. Par contre, on apprend aussi que derrière tout ça se cachent des forces maléfiques largement représentées ici. Je vais recouvrir, ou plus exactement reprendre ces cartes et en tirer d'autres pour compléter ce premier tirage. Donc là, nous avons étudié plutôt le couple dans sa globalité, avec ce que cela peut comprendre d'interprétations plus compliquées, puisqu'on parle de deux personnes bien distinctes qui pourtant ne forment qu'un. Donc ça complique un peu parfois l'interprétation, ça peut la rendre moins fiable. Ce que je vous propose de faire, c'est un tirage avec le... Ah, je suis en hésitation, mais je crois que je vais utiliser celui-ci. Donc je vais effectuer un tirage qui s'appelle les liaisons dangereuses. Je pense qu'il est tout à fait adapté à la situation et au sujet d'aujourd'hui. Ce tirage donc va nous évaluer le potentiel ou la faiblesse de cette relation entre Jay-Z et Beyoncé. Ainsi, on pourra étudier le couple avec plus de précision et sans risque de se tromper. Donc la première colonne de cartes va représenter Beyoncé. Ensuite, la colonne du milieu de trois cartes sera la relation qu'elle entretient avec la colonne de droite, la colonne du partenaire, donc de Jay-Z. Et une dernière carte viendra apporter l'évolution future de cette relation. Alors ma bougie s'est éteinte, je vais la rallumer parce que je sens que j'ai besoin de cette petite lumière car en plus je n'ai même pas mis d'encens aujourd'hui, c'est un tort, mais je n'en ai plus de disponible. Voilà, donc j'ai rallumé la bougie, excusez-moi, mais... Je me reconcentre donc sur Beyoncé Knowles. C'est son vrai prénom, hein. C'était le nom de jeune fille de sa mère, je crois.
Donc là, on est sur la force qui anime Beyoncé. Ici, nous serons sur les faiblesses. Et ici, nous allons apprendre les apports futurs dans sa vie. Concernant leur relation. Leur relation donc avec la carte numéro 1, donc qui consiste à analyser les forces de leur relation. Ici, nous avons les faiblesses de la relation. Et enfin, nous avons les apports de cette relation. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte, ce couple? Enfin, nous allons procéder au tirage pour Jay-Z, donc le partenaire, avec les forces qui animent celui-ci. J'ai bien son visage en tête. Ça, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui est facilement photographiable avec ses yeux. Quand on a vu une seule fois, en général, ça marque. C'est vrai qu'on est sur deux personnalités très différentes, mais très marquante, hein, l'un comme l'autre pour divers critères. Allez, donc là nous serons sur ses forces. C'est plus dur hein, pour lui, les cartes ne veulent pas venir. Il y a vraiment quelque chose qui... Et puis je sens que je crois que je ne suis pas sur un sujet facile à aborder. Allez, ses faiblesses, puisque les cartes ne veulent pas venir. Je vais me concentrer. Allez, je vais remélanger une dernière fois. Et donc, cette dernière carte ici. Nous verrons l'évolution par la suite. Alors, concernant Beyoncé, nous avons la tendresse, en force, en faiblesse, la récréation et en apport, l'homme de loi à renverser. Alors, c'est intéressant ce tirage puisque nous commençons tout de suite par la dame de cœur qui représente en effet, écoutez, la féminité et pourquoi pas Beyoncé elle-même. Donc, les forces qui sont inhérentes à cette carte sont plutôt une femme aimante, une femme douce. On la voit ici représentée avec un enfant. Donc un côté tendre. Et qui. Enfin même deux enfants. Et plutôt câline. Donc ici, c'est deux filles qui sont représentées, mais je crois que Beyoncé a plus d'enfants que ça. En tout cas, on nous parle d'une personne qui a pour force sa tendresse. C'est quelqu'un qui sait se montrer très tendre. Et ça, pour elle, c'est quelque chose qui est une force, évidemment. Ensuite, donc, dans les faiblesses qui nous sont évoquées lorsqu'on nous parle de sa personnalité, ici, il semblerait que nous parlions d'une personne qui a vécu beaucoup d'anxiété, je dirais qui a été vraiment très fatiguée psychologiquement. Donc, je crois que là, elle a subi une période où elle a dû être épuisée. Pour moi, il y a vraiment plutôt de l'ordre moral, peut-être une espèce de burn-out. Donc, voilà la faiblesse pour elle. Et donc, les apports au niveau de Beyoncé. Donc, on est sur l'homme de loi qui est renversé. Donc, l'homme de loi, ici, c'est un roi. Un roi de pique qui arrive à l'envers. Donc ce que ça veut nous dire, c'est que les apports, c'est l'ambition. Beyoncé apporte beaucoup d'ambition,
de force, d'autorité aussi. C'est quelqu'un qui peut faire preuve peut-être d'une certaine froideur pour arriver à ses objectifs. Quant à la relation que celle-ci peut entretenir, donc on va nous apprendre. Remarquez ce que je vais faire. Je vais faire d'abord Jay-Z. Voilà. Donc Jay-Z, qui est donc le partenaire de Beyoncé, pour ce qui est de ses forces, on nous parle de la victoire. Donc tout de suite, on est dans la représentation par les cartes de ce qui représente effectivement pour beaucoup de personnes d'un point de vue médiatique. Ici, on nous annonce que ses forces, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller, qui a toujours des plans pour se sortir de toutes les situations. Ça va être quelqu'un qui aura toujours sa revanche sur l'adversaire, qui saura toujours tirer son épingle du jeu. Au niveau de ses faiblesses, donc ici on est sur la femme méchante à l'envers, la dame de carreau. Donc la faiblesse de Jay-Z finalement nous est indiquée ici et c'est le revers de la médaille, je dirais, puisque c'est plutôt quelqu'un qui sait se montrer stratège, qui va pouvoir être doué en affaires malgré tout, mais vous voyez, en snakant, en tirant les choses à son profit, il sait faire preuve peut-être de malice, et ça, donc, c'est quelque chose qui fait partie de ses traits de caractère. Ça lui permet quand même de tirer son épingle du jeu. Au niveau des apports, on tombe sur le militaire renversé, encore une fois du carreau. Le militaire renversé, on nous indique ici plutôt alors en complément du caractère de Beyoncé, plutôt une personne qui serait là aussi autoritaire, plutôt impatiente. Donc c'est quelqu'un qui pourrait faire preuve d'inflexibilité aussi vis-à-vis de sa façon d'être à lui, peut-être, mais également peut-être en fonction des autres. C'est ce qu'on va voir avec la relation. Les forces de cette relation sont la surprise. Les faiblesses sont la consultante renversée et les apports sont le voyage. Donc ici, on nous apprend que la force de ce couple réside dans son aptitude à se renouveler. Voilà, on est sur un couple qui a l'opportunité de réaliser l'ensemble de ses souhaits, qui vit d'agréables moments, qui partage, dans la joie, beaucoup de faste et un grand luxe. Donc c'est ça la force de ce couple. Par contre, on est toujours sur du cœur renversé, enfin sur du cœur mais renversé cette fois-ci, au niveau des faiblesses de ce couple. Et on apprend que cette consultante est très soucieuse. Donc c'est-à-dire que là, Beyoncé, pas moi, hein, est très soucieuse par rapport à son union avec Jay-Z, et il y a quelque chose qui la contrarie. Est-ce qu'elle a peur d'infidélité? Est-ce qu'elle sait des choses qui peuvent la mettre en insécurité? Donc ça sera vraiment la faiblesse du couple, ce sera peut-être le manque de confiance de cette femme. Et enfin, les apports sur la relation. Donc nous arrivons plutôt sur une carte liée à du carreau et au voyage. Donc ici, on nous parle de voyage, donc évidemment, mais on nous parle d'international. On nous dit qu'il va peut-être falloir aussi envisager un nouveau départ pour que la relation puisse continuer à être pérenne. L'évolution future, je vais tirer une carte afin de pouvoir terminer ce tirage pour Jay-Z et Beyoncé. Donc l'évolution future, s'il vous plaît, de ce couple. Nous avons la carte de la visite qui est représentée par le valet de cœur. Je me permets de poser la carte sur le côté parce que c'est plus facile pour vous de la voir qu'en bas de l'écran. Alors ici, sur cette visite, on voit qu'un couple est consulté par quelqu'un qui propose ou va consulter quelqu'un plutôt, puisque cette personne tend un siège à la dame. Donc on peut imaginer que Jay-Z et Beyoncé auraient rencontré quelqu'un. On nous parlait de voyage tout à l'heure, donc ça c'était les apports de ce couple. Et en évolution future, peut-être suite à ce voyage, on apprend qu'il y aura des rendez-vous galants, on va resserrer l'union entre eux. Donc le couple est plutôt pérenne et est basé sur des fondements propres à eux. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme éclairage sur le couple de Jay-Z et de Beyoncé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.